Mon nom est Patrice Tétrault, je suis directeur de projet pour Édifique Construction, division de groupe de Vimco. Nous sommes dans la phase 2 du projet Aria, situé dans Solar Uniquartier. Les futurs résidents de son Choyy vont être au cœur d'un quartier très vibrant. Il y a plusieurs commerces, restos à proximité. Aria 2 est entouré d'espaces verts. Entre les phases Aria, il y a un parc privatif qui est réservé aux résidents. Il y a aussi un parc à chiens, des jardins communautaires, donc une offre très intéressante pour les résidents. Fait intéressant, le quartier est relié à Montréal par la nouvelle station REM, la station du quartier. Aussi, on est situé au croisement de l'autoroute 10 et de l'autoroute 30, donc très accessible pour les futurs résidents. Bonjour, je me présente Mathieu Slide, chargé de projet chez Édifique Construction. Les jalons importants qu'on a franchis dernièrement, c'est l'étape de coffrage qu'on a terminée il y a à peu près un mois. Présentement, dans la tour, on a vraiment quatre phases de construction. La fermeture de l'enveloppe sur les étages supérieurs. Dans le milieu, on est dans le cloisonnement, céramique, plancher de bois, cuisine. Puis les cinq premiers étages, présentement, on est vraiment en contrôle qualité. Donc, nos équipes s'affairent à compléter les dernières petites retouches afin de livrer à l'été 2024. Nous avons des beaux espaces communs, dont l'espace de coworking au rez-de-chaussée, une terrasse extérieure au 17e étage et notre magnifique chalet urbain au sommet de la tour. Les matériaux utilisés pour le choix fini sont haut de gamme, ce qui fait en sorte que Aria est vraiment le projet le plus luxueux de la Rive-Sud. Au niveau de l'urbanisme, puisque nous sommes situés sur un coin de rue, pour une harmonie avec nos voisins. Sur la rue de l'Escale, le revêtement extérieur va être vraiment la suite de la phase 1. Et du côté de la rue de l'Équateur, on va être vraiment la suite de la façade Aria, ce qui fait en sorte que le projet est unique en soi. Le projet Aria 2 est un projet qui requiert énormément d'efforts de l'équipe de chantier. Plusieurs défis qu'on doit relever quotidiennement, mais le projet va bien. On est très fébrile, on a très hâte de vous recevoir à l'été 2024.